幾多の大冒険の末、大きな成長を遂げていた。信頼できる仲間、強力なライバルに囲まれながら、もっと強くなりたいと修行の日々を送っていた悟空。そんなある日のこと。地球は謎の異星人戦士の侵入を許してしまった。ここから悟空たちの新たな戦いが始まったのである。Miyasan, konnichiwa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Budokai 3 sur sur Xbox 360. Et je pourrais le faire sur PS2, mais ce serait pas génial en écran parce que ça ferait comme Twin Snake, les vidéos un peu comme comme Star Fox Assault, c'est-à-dire qu'on aurait droit un écran plus petit. Donc évidemment ce jeu, il y a le gros problème, c'est les musiques, il n'y a pas de nouvelles musiques. Et on va commencer par Goku, l'histoire avec Goku, je veux dire, c'est du classique, c'est du basique. Et donc on nous a dit qu'il y a une nouvelle race, enfin une race de guerriers. Voilà. Ça c'était bien classe aussi. C'était ce qu'il y avait de très très classe dans le jeu. Alors j'espère avoir fini la saga Saiyan aujourd'hui. Faut que je me souvienne comment on joue déjà. Oh merde, je voulais pas lui faire le Kaioken, après tout il est très... Bon bah alors là on va très loin là. Alors on va essayer de lui... Ça je m'en souviens parce que... Oh il est très très faible hein, après tout c'est le premier ennemi du jeu. Alors ce que j'ai essayé de le... Voilà c'est ça que je voulais faire. Qu'il est bidon, en plus là il se prend voilà, il s'est pris le Super Saiyan il s'est pris le Kaioken puis il s'est pris le Super Saiyan 3 dans la tronche. Alors à chaque fois vous avez un système d'expérience, un système qui vous servait. Donc là je vais pas gagner grand chose, je suis niveau 23, j'ai déjà fini l'histoire, c'est le seul personnage avec qui j'ai terminé l'histoire. Après bah Ok, allez, on va passer ce petit générique. Voilà, donc on va. À chaque fois, vous avez un. Ouais, vous avez un système de... Comment on appelle ça? Donc j'ai pas récupéré Dragon Ball parce que je les ai déjà, parce qu'il vous suffit... J'ai récupéré ce que je voulais. Alors pour avoir toutes les techniques de Goku, à savoir... voilà, ça on s'en fout un peu, ça on s'en servira plus. Il vous suffit de gagner... Vous avez un système aussi d'objets, d'équipements, enfin des objets que vous pouvez utiliser en plein combat en appuyant sur la touche garde et vers le bas. Sauf que là non, on va pas s'en servir. Tout ce qu'on va se servir c'est... on va enlever ça. Faut que je me souvienne déjà comment on fait. Non, c'est pas ça le problème, c'est que je veux... Oh putain, ça c'est chiant si tu sais pas, quand tu sais plus enlever une technique, bah c'est plus chiant. Bon, on s'en fout, de toute façon on se servira pas, c'est qu'on n'a pas non plus, c'est pas non plus la mer à boire, n'a pas, c'est un Saiyan très 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 faible. Tout le monde le connaît.
On sait qu'il est très très bon. Alors là, il va nous donner le Kaioken. Peut se transformer, ok, de toute façon, on va s'en servir. Et on va taper Nappa. Alors Nappa, à l'époque, il me fait... la première fois que je l'affrontais, il m'a fait chier. C'était quelqu'un dans le jeu, il avait une bonne technique. Déjà, il a une technique finale, hein, il a un coup final. Hein. Vous allez voir ce que ça va ressembler. Je crois que c'est une attaque Big Bang, comme ils appellent ça. En fait, tu crois pouvoir nous tuer, c'est ça un peu... Connard. Voilà, moi je te fais, ils appelaient ça dans Budokai 1, le lancer du dragon. Voilà, donc il faudrait que j'apprenne à utiliser la téléportation. Voilà, attention, parce que là, on va peut-être s'en servir nous aussi après. Bon, il peut pas faire sa technique, il est trop... Ouais, ouais. On va essayer de s'en servir pour faire un, ce qu'on appelle un Dragon Rush. Ouais, je suis en train de le maraver, la gueule. Attends, on va essayer un truc. Ouais, c'est ça, enfuis-toi, espèce de... Ah merde, je voulais utiliser. Allez, relève-toi, Goku. Faut pas que je... Sinon, ça va donner une Dragon Rush après. Ah, il me fait à chaque fois ça. Voilà, moi je le fais et je termine comme ça. J'ai même pas utilisé de transformation, ça s'est mieux passé que prévu. Et là on va affronter un peu une sorte, bah, le boss, hein, le boss de chaque saga. Vous avez aussi dans chaque saga récupéré les Dragon Ball. Elles sont au nombre de 7, bon, ça, tout le monde le sait. 2 dans la saga Saiyan, 2 dans la... De chez les Namek et... Oui, Super Elite, comme dirait Jaco. Il s'exprime avec... Il s'exprime, pardon... Avec une sorte de... Je sais pas, une sorte... Le comédien s'exprime avec une sorte de petit accent, je crois, un autre accent bien japonais. Alors, les artworks étaient très bien faits, sauf que là, vu la gravité de la situation, Goku, ça a pas trop l'air de le déranger, Piccolo est mort. Mais tu as raison, Gohan-san. T'expliqueras un peu plus tard. Hein. Donc là, on va affronter Vegeta. Vegeta. En français, comment... ouais, voilà, je voulais aller dans la maison de Goku, alors qu'est-ce que tu as à me donner? Papa est blessé... tu... des petites histoires, hein, parfois elles sont... parfois elles sont, comment on appelle ça... sous-titrées, alors si je me souviens bien, pour terminer l'histoire, enfin pour débloquer Bardock, ça c'était une histoire aussi... il fallait... il faut que je regarde un peu ça, si je peux le faire dans ce niveau-là. Je crois que c'est là. Voilà, là je vais pouvoir débloquer Bardock. Voilà, je peux utiliser Bardock. Il suffit en fait de terminer le jeu une fois, et d'aller à la capsule Saiyan de Raditz. Combien de vidéos, je sais pas. Ah, on n'en est pas trop longtemps, quoi. Ça va aller, qu'on va aller très très vite. Donc là, ah non, j'ai cru que ça allait tout titrer, non. Réglons nos comptes ici, ok.
Alors, ce qui est bizarre dans ce jeu-là, c'est que Vegeta n'a pas totalement les cheveux noirs. Regardez, il a les reflets un peu violets. Ça, c'est un peu bizarre, des reflets de cheveux violets. Bon. En fait, il s'exprime d'une façon très très vraiment polie envers sa personne en lui disant tu vas affronter le Vegeta. Goku, ça a pas trop l'air de le déranger. Faut savoir que pendant très longtemps, moi j'ai joué avec les voix anglaises. Hein. À l'époque, je savais pas qu'il y avait les voix en japonais. On lui prend cher, le pauvre. On va lui faire un petit Genkidama, on va essayer de respecter un peu l'histoire, un peu. Malgré que le jeu ne respecte pas totalement l'histoire. Ah, lui aussi, il a décidé de... Oh putain, j'ai eu la chance parce que... Oh, Goku, son Genkidama de cette façon-là. Ah, putain. Alors, on va appuyer sur... Moi, j'ai appuyé sur X. Espèce de prince, espèce de... Tu n'es qu'un éternel second, Vegeta, je t'adore, j'adore le personnage. Mais tu n'es que tu ne seras et tu seras à jamais l'éternel second de Goku. Bon, là, il m'a enchaîné. Ah, ça, c'est quand il utilise contre Zarbon. Ouais, donc, ouais, avec la vie que j'ai. Le problème, c'est que mon corps est assez fatigué. Bon, bah, je voulais utiliser le Kaioken. On va lui apprendre un peu qui c'est un peu le. Voilà, c'est ça que je voulais utiliser, mais le problème. Shinigale meurt tout de suite. Non, j'ai pas envie. J'ai encore des. Kolae, qui veut dire. Qui peut se traduire par prends ça. Ah, joué. Voilà, donc je lui ai bien... Ah, je vais le toucher. J'ai bien appris que même s'il était balèze, bah, le meilleur Saiyan, c'est Goku, malheureusement. C'est comme ça. Et ça changera pas. Ouais, on ne rapporte pas beaucoup d'expérience. Je crois que sur ma version PS2, mon Goku était niveau 62. On va pas attendre un peu, voilà. Là, c'est quand vous gagnez Vegeta. Peut-être utilisé, voilà. Ce qui fait vraiment chier, c'est qu'on peut pas... Il n'y a pas les musiques, quoi. Du jeu original, quoi. Sauvegarder la partie? Non. Oui. On va continuer. Alors, je me souviens parce que la scénette, vous avez Vegeta qui n'oublie pas toi et tes amis, vous allez me le payer. J'ai vu beaucoup la version anglaise disait ça avec une voix mais tellement grave un peu. C'est un peu ridicule. ご飯たちは同じくドラゴンボールを求めてやってきたベジータ。手を。一方その頃、ベジータとの戦いの基準を言えた悟空は、ブルマの父親に作ってもらった人工重力装置付きの宇宙船に乗り込み。
ベジータたちの度重なる妨害に怒り心頭のフリーザ。フリーザはついに親衛隊であるギニュー特戦隊を呼び寄せたのであった。強大な力を持ったギニュー特戦隊、そしてフリーザに果たしてゴハンたちは勝利することができる。Alors, on va passer au livre de Ginyu Tokusentai. Ça lui plaît, hein. Ça lui plaît. Alors, on va faire en sorte, ouais, on pouvait se balader un peu. Mais moi, comme. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Ah! Et surtout, et choisir la bonne, parce que parfois le jeu se permettait, enfin les créateurs du jeu, les scénaristes, se sont permis un peu de jouer un peu avec l'histoire du jeu, ce qui fait que parfois bah, vous avez des situations complètement rancambolesques. Bon, ça c'est pour votre XP, parce que si vous vous entraînez pas, bah, vos adversaires, ne serait-ce que par exemple Super Boo, qui est vraiment très très chiant, hein, Super Boo, je ne sais plus comment il s'appelle en japonais, ouais je crois que c'est Super Boo, alors là on va trouver... Je crois qu'on va trouver sur Nail. Ok, Caillou, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je te parle directement, nanana. Un cadeau, alors qu'est-ce qu'il nous donne? J'avoue que là, je me souviens plus de cette lunette. Le vœu de Caillou réduit la consommation de ki en mode hyper. Ça peut être sympa. Mais moi, j'ai ma technique. Alors, j'ai percé. Percé, je vous le montrerai. Hein, je réassignerai ça plus tard. Percé, si vous voulez toutes les techniques, par exemple, comme Super Saiyan 4, qui est affreusement hideux, hein, qui est affreusement laid comme technique. Il vous suffit de récupérer les 7 boules dragon, vous faites percé, et vous avez toutes les techniques. Alors, malgré, on va parler ça aussi, malgré que le jeu était génial, il avait aussi ses gros problèmes, c'était sur les fusions dans ce jeu pour les réussir, si vous réussissez, vous êtes déjà assez chanceux, mais en plus de ça, eh ben, elle durait pas longtemps, elle durait, je crois, même pas 30 secondes dans ce jeu, c'était vraiment casse-couille, c'était pour respecter les 30 minutes, mais bon, voilà, on trouvait sur ça, et vous suffisait de faire ça pendant tout le jeu, pendant une bonne heure, pour trouver un peu les boules de cristal. Donc on va... Je crois qu'on va inventer, on va affronter Elikum. Donc on va... Ouais, bon, les autres, ils vont un peu se soigner tout seuls parce que j'ai envie d'affronter Rikum. Ah, on va sauver Johnny. Ah, les artworks qui sont vraiment magnifiques sur les personnages. Bon, bah, on va pas affronter, peut-être que je crois... Ouais, là, on va directement affronter, on aurait pu soigner Kulilin, mais Kulilin, à chaque fois, laissons Kulilin tranquille, hein. Ah, je suis prêt, quand tu veux. Je crois que cette musique, elle venait du Budokai Tenkaichi Team. Le pire, c'est qu'à chaque fois, je veux faire cette espèce de coup, mais voilà, je veux faire ça. Mais, pardon. Je me gourre à chaque fois, donc on va essayer de faire... Oh, ça aussi, c'était génial. On va... Allez, on spam le... Rikum qui se bat contre un Super Saiyan Super Saiyajin 2, il a... Connard. Ouais, Rikum, le kick de Rikum, comme ils appelaient ça, ils auraient pu faire... Ils auraient pu essayer de traduire ça en disant le pied de Rikum, putain, c'est... Ah, c'était, ils ont souvent cette shop. Alors, on va arrêter de rire. Le pire, c'est que... Waouh, on va encore recommencer. Waouh. Oh, il m'a eu. Shimata, oui, malédiction. On joue un peu comme une burne. Oh, putain. Pour lâcher une technique sur ce jeu, une technique ultime, c'est parfois la croix à la bannière. C'est très très dur, c'est plus dur que sur Xenoverse. Xenoverse, vous avez appuyé sur un bouton et c'est bon.
Et il est plus chaud que l'autre quand même. C'est pas un jeu à mettre. Je pense que les joueurs d'aujourd'hui auraient un peu plus de mal sur ce jeu-là. Bon, il est sorti en 2012. Hein. C'est pas non plus le vieux jeu. Il date de 4 ans. Cette édition date de 4 ans. Mais on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. On va se quitter sur la scénette de fin. Avec Goku qui est en Super Saiyan, arrive sur Namek et défonce à peu près tout ce qu'il trouve. C'est vrai que Goku, quand il parle en japonais, enfin la voix japonaise, à la différence de ses autres, des autres personnages de la série qui parlent en japonais, lui ils ont fait exprès de... Ils parlent pas super bien en japonais, alors il mâche un peu des mots le pauvre. Ouais, Nanimunda, qui suis toi? Muzakeldan, ne te moque pas de moi, ouais, c'est ça. Ouais, ils ont préféré se traduire ça par impossible. Normalement, c'est Barta qui est le batteur. Barta qui dit cette phrase, parce que voilà, ils ont. Lui, il avait été vaincu, en un seul coup avec. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu, on va continuer à fin, on aura sûrement fini la saga Namek, je crois pas qu'on va affronter, je sais plus si on va affronter Ginyu ou je sais plus dans ce jeu. Mais on se retrouvera la prochaine fois, donc je vous dis, portez-vous bien, matané, et bah voilà, c'est tout, hein. Profitez bien, pour ceux qui ont repris l'école, c'est que ça fait déjà longtemps, mais comme je l'avais pas fait, j'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, je vous dis à une prochaine fois, et matané!